Alors, le Mali n'est pas un pays pauvre, pas du tout. Tous ceux qui viennent en Afrique distribuer des vêtements, des habits, de la nourriture, etc., en fait font partie des services français au fond, parce que les États africains sont richissimes. Alors ici, nous sommes sur La Tribune, qui est un journal français, qui nous parle de la production d'or au Mali en 2019, qui est en hausse de 7%. Donc ici, la production industrielle d'or au Mali a battu un nouveau record en 2019. On fait 65 tonnes d'or au Mali, rien que sur l'année 2019. Alors expliquez-moi pourquoi un pays qui fait 65 tonnes d'or a besoin que des prétendues associations panafricaines venant de la diaspora viennent distribuer des vêtements. Mais c'est pas fini. Ensuite, toujours sur ce site La Tribune, en dépit d'une situation sécuritaire délétère, le Mali connaît une hausse significative de sa production industrielle d'or, mais tout ça ne profite pas au peuple malien. Le Mali a produit 50,5 tonnes d'or en 2015, puis 50,9 tonnes d'or en 2016, puis 60,8 tonnes d'or en 2018, mais aucun pays européen ni asiatique ne produit autant d'or. C'est-à-dire qu'en gros, là, nous sommes en train d'apprendre que en 2020, le Mali a fait 71 tonnes d'or sorties du sol malien. Le Mali est le pays le plus riche au monde parce que l'or vaut plus que le pétrole. Mais ça, bien sûr, ni la LDNA ni Adam Dicko ne vont venir vous présenter tout cela. Mais ici, nous sommes sur un site où c'est un classement mondial des pays les plus riches au monde selon leurs réserves en or. Eh bien, vous voyez, dans l'Afrique, le Mali n'apparaît pas. Et nous avons vu sur l'écran précédent que la France était en quatrième position, mais on n'extrait pas d'or en France. Le Mali n'apparaît même pas sur la liste. Vous voyez, le Mali, si nous devions prendre la production d'or du Mali annuelle et que nous additionnions, le Mali serait devant beaucoup de pays européens et asiatiques. Mais nous allons regarder cela encore un peu plus dans le détail. Tout ceci, ce sont des sites occidentaux, hein, ce ne sont pas des sites africains. Et d'ailleurs, sous cette vidéo, vous aurez les liens qui vous permettront d'aller apprécier la production d'or du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, du Togo. Et vous comprendrez pourquoi la France a besoin de corrompre la jeunesse africaine, pourquoi la France a besoin de fabriquer des faux leaders panafricanistes, et je pense à la LDNA, qui vont venir en Afrique vous distribuer des vêtements, etc., et vous faire croire que vous êtes pauvre. Mais en réalité, nous sommes le peuple le plus riche au monde. Alors regardez les chiffres. Ici, nous sommes toujours sur le Mali, bien sûr, et nous avons un classement de l'extraction d'or du Mali. En 97, on sort 18 tonnes. En 98, on sort 23 tonnes. En 99, 27. 2028, 2001, 53 tonnes. 2002, 66 tonnes. 2003, 53 tonnes. 2004, 44 tonnes. 2005, 52 tonnes. 2006, 58 tonnes. 2007, 52 tonnes. 2008, 49 tonnes. 2009, 49 tonnes. 2010, 38 tonnes. 2011, 40 tonnes. 2012, 50 tonnes. Ce à quoi il faut ajouter 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Alors sincèrement, de quoi, de quelle aide alimentaire ou de quelle pauvreté parlons-nous? Avec tout cet or, le Mali est plus riche que la Suisse, les Pays-Bas, la zone euro, la Turquie, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Autriche, la Pologne, la Grèce, la Hongrie, le Danemark, la Biélorussie, la Finlande, etc., etc., etc. Là, vous avez la réserve en or de ces pays-là. Et l'or est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet de garantir la solidité d'une économie. Et c'est pour ça que la France vient chercher l'or africain, tout simplement. Donc, nous allons voir si dans son discours à l'ONU, Adam Dicko va se plaindre du fait que les richesses de son pays sont dérobées depuis plus de 40 ans par la France, tout simplement, à travers les ONG, des entreprises, etc., etc. Donc la situation du Mali n'est pas du tout celle que l'on veut nous faire avaler. Avec une telle production d'or, le Mali est un des pays les plus riches au monde, c'est-à-dire est dans le top 5 des pays les plus richissimes au monde. Et c'est bien pour ça que les Occidentaux sont là. Pétrole, uranium, l'or. Alors, un peuple qui vend son or, c'est comme des parents qui vendent leurs enfants.
aucun État dans le monde ne vend son or. Avec la quantité d'or que nous avons estimée à plus de 1000 tonnes sorties du Mali en presque 35 ans, le Mali aujourd'hui n'aurait aucun problème de sécurité, aurait les meilleurs équipements publics du monde, c'est-à-dire qu'en gros, les écoles primaires, les écoles maternelles, les universités, les hôpitaux, les bâtiments publics, le cadre de vie des Maliens, on quitterait tous les pays du monde pour essayer d'avoir un visa et vivre au Mali. C'est ça la réalité du peuple. Aujourd'hui, la France impose déjà une monnaie nazie qui est le franc CFA et en plus achète l'or du Mali avec cette fausse monnaie qui n'a de valeur dans aucun autre pays au monde sorti d'Afrique de la zone UMEOA. Le franc CFA ne peut servir de valeur d'échange. Donc, le président malien actuel doit nationaliser tous les puits aurifères du Mali et s'assurer qu'il n'y ait plus aucun gramme d'or qui sorte du Mali et que l'or du Mali appartient aux Maliens. L'or d'Afrique appartient aux Africains. Nous devons prendre les mesures urgentes sur cette question.